Merci. Super. Merci, lapin, pour ce présent, on ne peut plus significatif de ta folie démoniaque. Va chier. Oh non. Mais ça brillait pas ça tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça va, j'ai donné ce qu'il fallait au lapin après tout. On va rentrer à la maison. En espérant que. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais c'est le feu de camp. Ah, oui, c'est vrai que ça clignote. C'est normal après tout. Oh non! Oh, j'en étais sûr. Je le savais. Rodriguez s'est fait la malle. Rodriguez est parti! Oh non, ça va pas du tout ça. Attends, il y a le feu dans la maison? Rodriguez, quoi, franchement, t'abuses. Oh mon dieu! Mais ça va pas, non! Rodriguez! C'est toi qui as fait ça! T'es complètement malade! Oh, t'as tourné la tête! Mais oh, Rodriguez, ça va pas, non? De me faire du. De me lancer des haches comme ça! Range ce couteau! Utilise-les pour te suicider, espèce d'homme de paille possédé! Laisse-moi vomir! T'es dégueulasse, Rodriguez! Je me casse. Et tu me suis pas, ok? Rodriguez m'a trahi. Il a voulu m'assassiner. Non, mais ce lancer de hache était particulièrement vénère, on est d'accord. Enfin, c'était quand même assez. Et je peux pas fermer la porte pour enfermer Rodriguez dans sa maison, là. I see you! Oh non, mais pourquoi il faut toujours que l'épouvantail se barre? C'est pas normal! Attendez, vous me dites! Qu'est-ce qui clignote là-bas là? Attends, par contre, c'est quoi ça? Il y a pas de feu de camp là-bas. Ah, mais c'est le. Attends, mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai changé d'endroit? Je suis complètement bourré. Let's go! Oh non! Oh non, 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 non. Putain, c'est une mouche, elle m'a fait flipper. Oh ah non, moi je veux pas là-dedans, hein. Je veux pas dans l'eau, moi. Quand j'étais plus jeune, un garçon plus âgé m'a raconté l'histoire d'une créature qui vivait dans le lac. Mais pourquoi il faut que j'y aille, du coup? Il m'a juré qu'en passant par là, il avait regardé en direction de la rive au loin et avait aperçu une lueur rouge rayonnant doucement sous la surface. Le garçon avait retiré ses chaussures et s'était glissé prudemment dans l'eau. Mais il est complètement fêlé de faire ça. Afin d'observer la chose de plus près, mais alors qu'elle se rapprochait, la lueur s'était mise à avancer rapidement dans sa direction. Effrayé, il avait alors fait demi-tour pour retrouver la sécurité de la terre ferme. Émergeant de l'endroit exact qu'il occupait juste auparavant, le garçon avait alors entrevu des écailles d'un rouge vif, une mâchoire semblable à celle d'un requin et des rangées irrégulières de dents acérées. Après qu'il lui racontait son histoire, j'expliquais au garçon que je ne le croyais pas, car rien d'aussi monstrueux ne pouvait exister en ce monde. La naïveté des enfants. En réponse, il a sorti de son sac un vieux livre et l'a feuilleté jusqu'à une page particulièrement abîmée, me laissant contempler le dessin fait à la main du monstrueux poisson-chat. Ce n'était pas la créature qu'il avait vue, mais une preuve que la nature pouvait se révéler bien plus hideuse que je ne l'aurais jamais imaginé. Je suis rentré à la maison en pleurs et mon père m'a réprimandé pour avoir cru à de telles inventions. Aujourd'hui encore. Mais Dixit, le père qui raconte des histoires de loups dans la forêt qui mangent des gens, hein. Cette famille a un problème! Aujourd'hui encore, même si je sais que c'est impossible, une part de moi croit toujours en l'existence d'une telle créature, probablement enterrée au fond d'un trou dans les profondeurs sous-marines. Quelquefois, ces pensées hantent mes rêves. Je suis alors le garçon nageant à travers le lac. Je vois la créature juste en dessous de moi, s'approchant de moi, mais je suis incapable de réagir. Quand elle agrippe ma jambe de sa mâchoire et m'entraîne au plus profond des eaux, je ne ressens aucune douleur, seulement la sensation de soulagement que l'on éprouve en s'abandonnant à l'inévitable. Il y a effectivement un grand problème dans cette famille. C'est drôle. On pourrait penser que je préfère rester à l'écart du lac. Mais plus que jamais, je me sens attiré par lui, avec l'espoir d'apercevoir un jour la créature de mes cauchemars. Mais c'est quoi ces fantasmes, mon chou? Moi, quand je... Ah, salut! Salut, Grégoire le crapaud! Ah, mais il faut vraiment que j'y aille. Bon. J'ai pas envie. Mais il va bien falloir, je crois. Oh non. Oh là là, mais c'est hyper profond en plus. Oh,
Je peux voir sous l'eau. Oh non, c'est flippant. Je peux me dépêcher de nager. Ouais, je vais me dépêcher de nager en fait. Mais mon personnage est complètement fêlé là. Il s'est fait mal à la jambe et au lieu de remonter vers sa voiture, il va se baigner dans un lac maudit. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. Oh non. J'ai vu le poisson. Yes. Super. Il y a un truc là-bas là. Vas-y, je vais là-bas moi. Oh, j'ai pied ici. Pas manger, hein. Pas manger. Je suis pas... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai trop peur. Je fais plus rien. Qu'est-ce qui se passe? What? Je contrôle plus rien. J'ai regardé tout autour de moi en plus. Qu'est-ce que... Oh là là, mais quel enfer. Et mon personnage, il se pose pas un moment la question de savoir si son cerveau est parfaitement normal? Parce que moi, je trouve qu'il se passe quand même des choses étranges. Oh, j'avais déjà sauvegardé ici. Oh non, mais je vais mourir là. Oh, je vais aller revoir Rodriguez. Eh, il a encore... Oula, pardon, je vais aller un peu vite. Très bien, c'est la drogue absolue. Mon personnage est complètement fêlé du crâne. Très bien. Alors là, maintenant j'ai. Il y avait un truc là. Oh là là, j'ai speedé encore. Est-ce que la carte elle a changé? Bon bah j'ai vu ça, j'ai vu ça. Il reste plus qu'à aller voir le cerf démoniaque maintenant. Si j'ai bien compris. Puisque de toute façon, on m'embête tout le temps. Rodriguez, t'es là? Je le vois. Je le vois, je le vois, il a pas bougé. Rodriguez. Ça suffit maintenant, hein? Tu restes là. Tu... Ah mais attends, il a une blessure à la jambe, comme moi. Regardez. Rodriguez, c'est pas bien de me copier. T'es méchant. Je te laisse tranquille. Fais le ménage pendant que tu vas là. Prends ce balai, fais le ménage. Quelle vie de merde. Du coup, il faut que j'aille là-bas alors. Il faut que j'aille voir le cerf de la forêt. C'est là où il était, Rodriguez. Il était bien mieux ici. Hein. Alors attends, là-bas je suis allé. Voilà, c'est là-bas où je suis pas allé. Et il a oublié son chapeau en plus. Ah bah bravo. Bravo, Rodriguez. Bravo, Rodriguez. Tu vas te prendre un coup de soleil. Ça va enflammer ta paille. Bah voilà, le Brabant du cerf. C'est ça, c'est le bras. Hein, ouais. Est-ce qu'il va me charger dessus? Bah on dirait qu'il vomit là. Ça clignote là-bas. Oh non, j'ai peur. J'ai pas envie de passer dans l'eau. Je vais passer par ici. Quitte à faire bugger le jeu. Ah! Faut arrêter de me faire des trucs comme ça, moi je vais mourir. Hein. Arrêtez tout. Hein. Arrêtez tout, mon dieu. Ok, comme ça j'ai pas traversé l'eau. Et comme ça j'ai pas le démon de l'eau. Oh, y'a un passage secret par là. Est-ce que j'y vais? En vrai. Ah, oh, je sais pas. Bon, attends, faut retenir qu'il y a un passage secret là-bas. Oh, j'ai trop bien, je trouve un passage secret. Yes. Oh là là, mais ça, ça fait peur par contre. Ah, mais c'était le cerf. Ah ouais, non mais attends, le gars il a des yeux de démon là Et moi je vais le voir en mode tout va bien quoi. Super. Bah je vais au feu de camp là-haut là. Attends, par contre il était là. Super. Bah moi je marche pas là-dedans hein. C'est mort. C'est mort. Cours Astérix. Va au feu de camp. Ok, ok. Y'a un papier, oh là là, mais y'a plein de chemins partout. Y'a plein de chemins partout. Foutez-moi la paix. Ok, j'ai sauvegardé, tout va bien. Le feu de camp. Oh, mon ombre fait tellement peur.
ramassant le papier. Le papier suivant. Qui va raconter l'histoire du cerf, du coup. Yann m'a parlé d'une grotte perdue dans la forêt dans laquelle des bandits venus de la ville auraient dissimulé de précieuses marchandises de contrebande il y a de nombreuses années. Quand ils se sont fait prendre, la grotte a été fouillée et les objets de valeur confisqués. Je connaissais peu d'histoires intéressantes à propos de cet endroit, j'ai donc insisté auprès de Yann pour qu'il me relate tout dans les moindres détails. Nous avons cherché la grotte pendant des semaines et avec seulement une vague idée de son emplacement. Finalement, au cours d'une de nos excursions, je l'ai trouvée, exactement comme il me l'avait décrite. Les énormes rochers se tenant de chaque côté de l'entrée, le lierre suspendu dissimulant en partie l'ouverture de la paroi, le tronc d'arbre déraciné perché en équilibre précaire juste au-dessus. Je voulais m'engager à l'intérieur, mais la lumière du jour ne pénétrait que de quelques mètres. J'avais l'idée absurde que quelque chose de valeur avait peut-être été oublié. Des pierres précieuses qui auraient glissé dans une fissure du sol et seraient restées inaperçues. De l'argent qui aurait été dissimulé avec grand soin parmi les stalagmites et n'aurait pas été découvert. Et les pièces d'or ensevelies, patientant sous une fine couche de terre. Yann m'a convaincu de ne pas aller plus loin. Le sol était glissant et irrégulier, et sans source de lumière pour nous diriger, nous aurions pu nous perdre à une intersection du tunnel. Je ne suis jamais retourné l'explorer. Je pense que c'est mieux comme ça. Si j'étais entré, la grotte aurait été vide, seulement pleine de mes désillusions. Puisque je ne suis jamais retourné, dans mon esprit, elle demeure un lieu inexploré, rempli de richesses, de trésors étincelants perdus, un souvenir précieux. C'est Gollum. Le trésor, c'est l'anneau unique. Je vais lui prendre. Il va me gueuler dessus. Oh non. Ah voilà le trésor sacré. Alors, ok, donc il faut que j'aille là, sensiblement. Gollum, tu me... Pourquoi ça tremble et tout là? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Oh là là, c'est complètement fou ce que je fais. Ok. Oh, ok, non. Non. Oh. Merde. Mais comment je vais voir Rodriguez, moi, si que je peux plus rentrer? Oh non. Oh non. Gollum, tu me laisses passer, hein? Pas de blague, hein? Ouais, ouais, ça va, je... Ouais, ok, hein. Ça suffit. Ok, ça passe. Ok. Oh, mais je suis là. Ah, mais attends, je peux passer par là, du coup. Et oui. Oh, regardez comment je suis intelligent. Je suis passé là où il y a Gollum qui est passé. On va tomber sur son cadavre. Il va arriver à faire bonjour. Ah non, ça va être terrible. Oh, il y a une musique agréable. Mais du coup, je peux pas aller voir ça là-bas. Ok, j'ai un peu peur, mais ça va aller. Oh, c'est beau comme passage. Oh là là, ça tient ça? Ok, ça tient. Dixit, les gars qui signent des gens que j'ai tués. Ouais, ça tient, c'est bon. Ah mais on va pouvoir passer par dessus. Hein? Ah, je suis une chèvre des montagnes du coup. Ah mais ça va faire un passage. Yes. Pas de Gollum hein. Mais pourquoi ça... Oulala. Ok. Qu'est-ce que c'est? Encore un morceau de squelette. Mais bien sûr, voilà un trésor inestimable! Un putain de fémur! Putain, mais les gens sont complètement fous de prendre des trucs pareils. Ah, je peux repasser par là. Oh là là, je sens mal. Il y a Gollum qui va m'intercepter, il va me pousser dans le vide. Cela, c'est haut quand même. C'était censé être une forêt, hein, pas des montagnes abruptes. Ok. Très bien. J'ai un peu peur. Ok. Pour l'instant, ça va. Allez, juste vite. Ah, ah. Mais quel jeu de merde.
Ah là là, il arrête pas de se promener partout dans les bois là. Bah je vais aller là-bas du coup. Haha, je t'ai eu. Ça veut dire que je passerai pas par là. Je passe par là. Ok. Ça se trouve c'est Rodriguez hein. Mais il est agile hein, le fourbe. Je suis passé par là ou pas? J'en sais rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, oh regardez, c'est le regard. C'est génial. Oh, regardez ça. Oh, comment j'ai découvert le jeu. Mais c'est génial, regardez ça, il y a toutes les infos. Oh mais c'est trop cool. 40-37. Et du coup on est là. Mais c'est trop bien, il y a toutes les infos. Là c'est là d'où je viens, le cerf je l'ai pas vu. Là il y a Rodriguez, allez au revoir Rodriguez. Là c'est le piranha, je suis allé. Ah oui il y avait un os, bah j'ai pris les os. Et du coup faut que j'aille là alors, faut que je fasse le tour. Faut que je revienne vers la maison. Oh mais c'est trop bien ça. Oh, c'est trop bien. Eh, c'est super astucieux. Oh, je suis trop fier. J'ai trouvé ça tout seul, comme un grand. J'ai même pas regardé de tuto sur YouTube. Bon, allons-y. Ok, il y a une sauvegarde. Ça veut dire qu'il peut rien m'arriver tout de suite. Oh, un symbole étrange à la signification complexe. Et probablement drogué. Mais par où est-ce qu'il faut que je vais? J'ai pas de passage là. Oh non, faut que j'y retourne. Si je croise le cerf, je vais péter un câble. Oh, c'était pas le cerf. C'était Gollum. Il est passé au-dessus. Et bah c'est quoi, il est rushé. Merde, enfoiré, il me fait peur là. Ça suffit. T'arrêtes hein. Ok. Ah oh bah la forêt là C'est pas sympa. D'abord. Puis moi j'ai des os, ok. J'ai un fémur. Ok. Très bien. Bon, bah, il m'a indiqué la voie, bah c'est super, on va y aller. Hein. Ah, mais c'était le passage secret que j'avais repéré déjà tout à l'heure. Et oui, c'était le passage secret, c'était pour aller voir le cerf. Rends-toi à la maison. Il est pas content. Oh non. Est-ce que je vais voir le cerf d'abord ou est-ce que je vais retourner à la maison? Oh, je vais retourner à la maison et on va aller voir. Eh hey, Pascal la grenouille là, hein, ça suffit. Je sais plus comment on l'avait appelé, Gustave. Oh, je me rappelle plus. Pourquoi il veut que je rentre à la maison? Moi je voulais voir le cerf. Attends, je vais me dépêcher. Qu'est-ce qu'il t'a fait encore, Rodriguez? Il a encore fait une connerie. Il a passé l'aspirateur, ça fait du bruit, les voisins se sont plaints. C'est toujours comme ça, hein. Qu'est-ce qui se passe, Rodriguez? Qu'est-ce que t'as fait encore? Attends, on a essayé de m'assassiner quand je suis passé par là la dernière fois. Rodriguez! Oh, j'y vais, je fais un gros go-in. Rodriguez! Qu'est-ce que t'as fait? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vois flou? Oh non. Oh, non, je vais me coucher, hein. Ah!